Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, consacrée à l'autonomie alimentaire. Alors, dans cette vidéo, on va particulièrement s'intéresser au potager. On verra plus tard pour les autres sources de nourriture, chasse et autres, dans la vidéo plus loin. Alors, vous pouvez vous poser tout un tas de questions sur la résilience en général, mais aujourd'hui, on va essayer de répondre au moins à la résilience alimentaire. Alors, je vais peut-être briser le rêve de beaucoup de personnes, mais être 100% autonome, avoir une résilience 100% en alimentation ou autre, hein, c'est pas forcément faisable. Alors, une autonomie alimentaire, ça se travaille sur beaucoup d'années. C'est un travail qui nécessite beaucoup de patience. Je vais prendre un exemple concret. D'une année à l'autre, dans le jardin, vous n'allez pas avoir forcément le même rendu, le même rendement de tomates, de cornichons, de concombres. Et donc, d'une année à l'autre, vous n'allez pas avoir la même quantité. Par exemple, pour les tomates, en 2021, nous avons pas eu grand-chose. Ce n'est pas une année à tomates, et pour cause, beaucoup trop de fruits. Nous allons aussi parler du climat un peu plus loin dans cette vidéo. Bon, un jardin, malheureusement, on est dépendant de la météo. On est dépendant du soleil, on est dépendant de la pluie. On est dépendant aussi de d'autres facteurs, hein, des maladies, le milieu, l'oïdium. Qui sont notamment sur les cultures bipacées. Vous allez aussi avoir peut-être une interaction avec des coques, avec des campaniums, d'autres petits insectes qui vont venir vous manger les racines, par exemple les salades, notamment la courtière. Donc on aura affaire à un tout un tas de facteurs qui va parfois diminuer nos chances de réussir. Maintenant, la question de pourquoi ma résilience, pourquoi mon autonomie, vous l'avez vu, avec l'inflation, la hausse des prix, si vous aviez un potager, un repas de terre, ou même encore, ne serait-ce qu'un balcon avec quelques jardinières, avec des salades, avec des grands bacs pour pouvoir faire, par exemple, des tomates. Je vous invite à aller voir, si vous n'avez pas vu mes fameuses vidéos que nous avions faites quand nous habitions en ville. C'est faisable, mais ça ne vous apporte pas une grande quantité de légumes. Donc, si vous êtes résilient et que vous êtes autonome, vous pouvez vous passer du système pour vous nourrir. Vous gagnez cette liberté, ce droit et ce retour à la nature, ce retour aux sources. Mes ancêtres, ils faisaient ça. Ils avaient un jardin, ils n'avaient pas de supermarché, d'hypermarché, de tout ce que vous voulez. Donc c'est le début d'une certaine liberté. Mais évidemment, il y a un grand travail derrière, il y a de grandes choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, c'est vraiment enrichissant. Donc, d'aller vers la résilience alimentaire, déjà, c'est un grand pas pour avoir le moins besoin d'argent possible. Parce que c'est ça la vraie liberté, mais c'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'en avoir le moins besoin possible. Ça veut pas dire être pauvre, ça veut dire tout ce qu'on fait par nous-mêmes, tout ce qu'on produit, parce que nous sommes dans une société où on surconsomme. Produisons notre nourriture. Alors, avant d'avoir un très beau jardin avec de très belles fleurs, il va falloir commencer par les semis. Les semis, par exemple, pour les tomates, les cornichons, les courgettes et autres cultures qui vont avoir besoin d'être mis dans les petits pots pour prendre de la hauteur. Et après, vous allez pouvoir les mettre dans le jardin. Quand ma femme m'a appris, maintenant, ça va faire bien 3 ans, à jardiner, on a commencé par les semis. Aujourd'hui, je sais reconnaître les différentes cultures qui vont pousser.
Et donc, les semis, ça va être une phase qui va être très longue parce que c'est le début, c'est la genèse du jardin. Donc, il y a beaucoup de patience à avoir et parfois, les semis vont pas prendre, soit parce que le terreau est mauvais, soit parce qu'il n'y a pas assez de chaleur, soit parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc, ça va être une étape assez conséquente. Les tomates, par exemple, c'est quand même début, alors on va dire mars, selon la région où vous êtes, mars, avril, jusqu'à fin novembre, vous allez pouvoir avoir des tomates, selon la météo, hein. Donc, si vous voulez vous représenter un peu le travail, c'est quand même les semis en début d'année. Les récoltes, par exemple, pour les tomates, c'est entre fin juillet, jusqu'à fin septembre, début novembre. Et donc, c'est pour vous dire, pour vous imaginer un peu la source de travail que ça vous fait. Par exemple, tout ce qui est ail, oignon, ça peut directement aller dans le jardin, comme la pomme de terre, les radis, les carottes aussi, directement en terre. Je vous avais déjà montré par rapport aux vidéos sur potager en appartement, vous avez déjà montré quelques trucs du jardinage. Donc, si vous voulez revoir certaines de ces vidéos, elles sont toujours sur la chaîne, hein, dans la playlist potager du survivaliste. Il y aura aussi quelque chose d'important à savoir, d'avoir besoin de nutriments. Et ces nutriments, si votre sol est mort, si votre sol n'est pas fertile, votre jardin vous donnera aucune culture. Il est très important d'avoir une connaissance et cette relation avec la nature. Alors, je me bats beaucoup avec mes anciens pour leur dire que retourner le jardin, ça sert à rien. Si votre sol est vivant, c'est les vers de terre qui vont apporter l'oxygène à votre terre, à votre jardin, parce que passer une heure et retourner la terre, ça ne vous sert strictement rien. Si vous passez le mot une heure, vous allez simplement abîmer la vie qui se trouve dans la terre. Et donc, il est très important d'avoir cette relation-là avec la nature, la terre. Par exemple, vous allez pouvoir apporter du fumier, de la paille, des feuilles mortes, du compost, et tout ça va redonner vie un petit peu à la terre du jardin. Vous avez vu les petits ronds que nous en avons eu quasiment une dizaine des comme ça, parce que on est très proche de cette fertilité de la terre, parce que la nature, aujourd'hui, nous détruisons énormément la nature. Et on a besoin de se reconnecter avec la nature et d'avoir connaissance de pourquoi ça pousse, pourquoi ça pousse pas. Alors à cette période-là, on n'arrivait presque même plus à marcher tellement on avait de petits ronds qui se promenaient dans le jardin. Aujourd'hui, on pouvait nettoyer, on pouvait être propre. Mais là, mais en plus, ce n'est pas forcément prévu qu'on en avait autant. Mais ça prouve bien que notre jardin a une bonne air, a une air aérée, oxygénée, avec les différents nutriments importants à la croissance de nos cultures. Vous pouvez voir la serre ici.
On a chou, on a plein de choses. Et donc, on est très, très, très grand dans ce jardin-là. Nous avons en plus, pour l'été prochain, une autre partie en plus. On va pouvoir s'amuser à avoir d'autres cultures, peut-être des cultures que nous avons déjà essayées, qui n'ont pas marché. Des cultures où on a eu peu de rendement, donc on va avoir un peu plus de rendement en espérant. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est la nature qui nous donne. Je suis convaincu que la nature nous donne tout. Tout, il faut simplement regarder différemment les choses et on peut avoir tout ce qu'on veut de la nature. Et voilà. Alors là, nous allons aborder le sujet du climat, mais il est aussi important que la fertilité du sol. Alors, selon les régions, selon si vous êtes au nord ou au sud, vous allez pouvoir commencer les semis plus ou moins tôt. Vous allez aussi avoir plus ou moins de soleil et plus ou moins d'eau. On va pas rentrer dans la pluviométrie et puis le temps, les minutes, les heures de soleil qu'on a quand on fait un jardin, mais on va devoir étudier certaines choses quand même. La position du soleil par rapport à vos cultures qui ont aussi besoin parfois d'ombrage, puisque cette année il a fait super super chaud, alors que l'année dernière on avait quasiment que de la pluie. Donc c'est très important de comprendre, d'être en phase avec ça, parce que je parle souvent d'autonomie sur la chaîne, on parle souvent de survivalisme, plus dépend du système. Or, malheureusement, hein, je le disais au début de la vidéo, bah, on est dépendant du soleil, dépendant de la pluie. Donc la pluie, alors l'eau, on peut essayer de récupérer avec des récupérateurs d'eau, on a pu construire une serre à tomates, on a pu mettre dessus des gouttières, donc on a pu récupérer l'eau. Mais le soleil, on ne peut pas le récupérer. Alors ici, je vous invite à regarder un petit peu ce qu'on fait à la maison. Ça, c'est le chou que nous avons récupéré dans un champ paysan avec sonorisation. On a fait le chou roux maison. Bon, là, on va aussi voir un peu les girolles. Les girolles, on a pu récupérer l'an passé, qu'on a stérilisé. Enfin, c'est ma femme qui s'en est occupée, puisque c'est une très, très bonne cuisinière. Ça, c'est les radis. Les radis dans les champs aussi, hein. Ça, c'est l'ail des ours. Je vous en avais déjà fait des vidéos. Vous allez pouvoir voir sur la chaîne aussi, hein, dans les playlists. Et ici, nous allons parler un peu de stockage. Alors, le stockage, c'est quelque chose qui va dépendre aussi de votre place et de ce que vous allez pouvoir stocker. Il y a plein de méthodes de conservation des aliments, donc par congélation, sous vide, par stérilisation, par la fermentation,
en saumure. Bon, ça, c'est des techniques. Alors, moi, c'est ma femme, hein, pour être honnête, qui a une grande connaissance là-dedans. Elle a toujours fait ça. Elle a toujours vécu en faisant des confitures, en faisant du jardin, en faisant des bocaux. Donc, c'est vrai que c'est elle qui a une grande connaissance là-dedans et je la remercie pour toutes ces choses-là. On est complémentaires parce que je suis dans le survivalisme et elle a toujours vécu comme ça. Et en fait, c'est là où on peut aussi s'interroger par rapport au survivalisme, enfin au survivalisme, parce que elle n'est pas forcément dans cette mouvance, mais elle a toujours fait ça, et donc, parce que c'est des choses qu'à l'époque on faisait. On faisait ça à l'époque. Bon, elle nous a fait des terrines de campagne qui sont super, super bons. Elle a toujours fait des confitures, elle a toujours fait ça. Donc c'est vrai que pour elle, c'est pas quelque chose qui vient du survivalisme. C'est un mode de vie qu'elle a toujours fait. Donc est-ce qu'elle est survivaliste? Bah, je dirais que la philosophie, son mode de vie, les choses qu'elle a toujours fait, bah, c'est ancestral en fait. Bon, là, nous avons ratatouille, maison, produits du jardin, courgettes du jardin, tomates du jardin. Donc, on va aussi, dans cette partie-là, aussi s'intéresser un petit peu à la qualité des produits, parce que l'autonomie, on l'a fait pour deux choses, parce qu'on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on mange. On a de la qualité qui est représentative à tous les niveaux. Hein. C'est pas les tomates du supermarché qui sont vraiment pas bonnes. On a des tomates et ça n'a rien à voir, que ce soit les salades. Tous les produits qu'on a sont vraiment, alors je ne vais pas dire bio parce que c'est un terme qui est un peu vague, mais c'est vraiment de la qualité naturelle. Voilà, alors le stockage, donc, c'est. Va dépendre vraiment de la place que vous avez. Hein. Vous pouvez faire plein plein de choses. Nous, on a maintenant l'espace adéquat pour vraiment faire du stockage. Donc ça, c'est du stockage d'aliments que nous avons fait. On a aussi le stockage où on va faire des petites courses comme ça. On va remplir un petit peu des produits qui sont comme la farine, le sucre, le beurre, l'huile, par exemple. Hein. On a pu voir l'huile et la moutarde en pénurie cette année. Oui et non. Mais donc, on aura donc deux stockages, le stockage de bouffe achetée, donc des produits, des denrées rares, on va appeler ça comme ça. Et donc, on aura des produits aussi également qui proviennent du potager. Ou aussi de la nature, donc par exemple avec les ours, les champignons, on en a pas mal partout, on en a en bocaux, donc on voit sur en Gironde, en bocaux, on a des cèpes dans le congélateur, paquet de campagne, comme je disais, à la trompette de la mort, je crois, si je me trompe pas. Là, nous avons des cornichons en lactofermentation. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Je vous invite à prendre connaissance de tout ça. Je ne vais pas m'attarder non plus sur cette partie-là parce que c'est les connaissances qu'on doit aussi apprendre. Et alors là, on va aussi pouvoir également, pour une certaine autonomie, aller chercher en forêt. Alors ça, c'est vraiment mes premiers cèpes il y a 2 ans maintenant. Où vraiment j'étais content et heureux de trouver mes premiers cèpes. Alors ça c'est les châtaignes. Alors ça si c'est un truc que vous aimez faire, partir en forêt chercher des cèpes et des châtaignes, ça je vous promets que la soupe cèpe châtaigne c'est vraiment génialissime et c'est tout simple à faire. Donc on peut faire des choses, on peut aller dans la nature chercher nos produits, chercher des choses. C'est aussi une certaine forme de résilience parce que vous allez chercher les champignons au supermarché, il faut voir le prix que ça coûte. Là, nous, on a des connaissances, ils m'ont appris vraiment, ma femme et ses parents m'ont vraiment appris. Ça, c'est des Fornem, Sparasys crépus.
qui sont très très bons. On en a fait des crêpes, on a fait des crêpes avec. Ça, c'est la soupe au cèpe, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est les girolles qu'on a trouvées l'an passé. Alors, mine de rien, il a énormément plu l'année dernière. Donc, c'est vrai, niveau tomate, niveau jardin, c'était pas florissant. Mais alors, par contre, niveau champignons, l'année dernière, là, on peut voir une mine d'or, comme j'avais fait pour la vidéo sur les trésors de la forêt. Les cèpes découpés, hein, les girolles. Donc, on a tout un large panel de choses qu'on peut chercher dans la nature. Des choses, voilà. On va aussi parler des récolter ses propres graines, puisque au fur et à mesure des ans, on va au fur et à mesure des récoltes, on va pouvoir récupérer nos graines, que ce soit le tomate, de courgettes et autres, et on va les faire sécher, on va les mettre dans les petites enveloppes et on va pouvoir les réutiliser l'année suivante. Alors il faut voir aussi avec les hybridations, les F1. Là aussi, je vais pas m'attarder, je pense, voir. Je vais faire une petite deuxième vidéo pour un peu plus de détails sur certaines parties de cette vidéo-là. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, vos questions. N'hésitez pas. Donc, les graines aussi, hein, ça va vous permettre de ne plus acheter de graines au final, d'avoir une certaine résilience, une certaine autonomie aussi par rapport à ça, puisque vous allez récupérer vos graines, vous allez ne plus devoir acheter vos graines. Donc, là aussi, vous avez une résilience, hein, vous allez pouvoir ne plus acheter dans le commerce, donc c'est très bien. Renouer avec la terre et sa fertilité pour vivre en harmonie avec la nature. Voilà. Nous allons arriver à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps, énormément d'estime de moi-même. Parce que des vidéos comme ça, c'est très, très, très long à faire. Et vous avez pu voir un petit peu le jardin dans son état pur. Bon, la résilience, l'autonomie alimentaire, on l'a fait pour gagner sa liberté, sa qualité aussi, hein, parce que la cuisine, c'est quelque chose d'important. Dans la deuxième vidéo que je ferai, la vidéo détail de cette vidéo, je parlerai aussi un petit peu de Gilles Lartigot, qui parle beaucoup de mode alimentaire. Que j'ai pu aller voir en conférence il y a quelques semaines, dont on parlera aussi de l'alimentaire par rapport à ça. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, des likes, à partager la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vraiment, sincèrement. Voilà, des tomates, des belles tomates, maison. Des tomates du jardin, les belles tomates, les bonnes tomates. On a tout un panel de choses qu'on va pouvoir continuer à faire. Voilà. En tout cas, l'autonomie alimentaire, nous, on est déjà bien avancé. Voilà, on va continuer. Hein. Voilà, vous voyez le jardin un petit peu en été, en hiver. Les œillets de dinde, les fleurs aussi vont apporter les petites abeilles, de la pollinisation qui est très importante pour les cultures. Hein. Tout ça, bon, ma philosophie de la vie, c'est un petit peu la nature nous apporte beaucoup, beaucoup de choses. On n'est pas toujours obligé d'acheter, on n'est pas toujours obligé d'aller dans le consumérisme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dans la vie, il n'y a jamais de problème. Je vous invite également à me suivre sur Patreon, sur le site internet backforfreewordpress.com, sur Facebook, sur Twitter et surtout sur YouTube. N'hésitez pas à partager. Merci beaucoup. Au revoir les amis. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions.